Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Cisa aussi. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour un match Title Cup contre mon compère Yous. Donc, c'est vrai que dans le dernier match Title Cup que j'ai posté, j'ai eu d'excellents retours, mais vraiment d'excellents retours, j'étais vraiment surpris. Donc, voilà, vu que j'en avais en réserve, je vous le propose. C'est un match plutôt cool. Bon, étant donné que j'ai la même team, ça va être un petit peu plus rapide. Surtout que le match dure un petit peu moins longtemps. J'ai la même vue tout simplement parce que moi j'ai pas la Pokébank en fait, je suis un pauvre et 5 euros par an c'est trop dur. Et non, enfin, du coup, voilà, j'ai très très peu de Poké Little Cup. C'est dommage parce que j'aime bien ce tier. En fait, je l'ai fait moi-même. Du coup, enfin, pas ceux-là, hein. Les nouveaux que j'essaie de faire, ils viennent du TSE. Et comme vous savez tous, le TSE ça prend du temps tout simplement parce que je peux pas les EV avec les hordes vu qu'ils prendront des niveaux. Et à partir du niveau 5, ton Poké est mort. Donc c'est un petit peu bête. Mais voilà, c'est pas grave. J'ai tué son Bronzong, donc assez content vu que c'est quand même une grosse menace. Vu qu'il a 6 bulky. Bon, il fait pas énormément de dégâts, mais généralement il peut placer les PDR et les screens. Et après favoriser le placement par exemple de son Larvitar qui est brûlé tout simplement parce que Larvitar a cran. Donc heureusement qu'Arkiapti. Ouais, je crois que c'est ça. Arkiapti et Escar, comme ça je le dépasse, je fais un petit séisme et je l'expose sa race rapidement, voilà, cordialement. Il envoie Koffing, première fois que je le voyais en Little Cup, il est pas mal, hein. Je m'attendais plus au set Evoluroc et vous allez voir que j'ai essayé de faire Foufolet, je l'ai anticipé en tout bien tout honneur, hein, il n'y a pas de souci. J'ai hésité entre lui et envoyer Okioki, mais j'avais peur qu'il ait Toxic Spike puisqu'il la prend en 6ème génération et que dans tous les cas je pouvais pas lui faire grand chose vu qu'il pouvait continuer à spammer Will-O-Wisp ou Toxic Spike et attendre que je meure bah, bêtement quoi. Donc voilà, je décide de faire Stalactic, donc qui va toucher 5 fois. J'hésitais entre ça ou faire Exuviation parce que je me doutais qu'il allait pouvoir renvoyer Slowking en anticipant le fait d'être tranquille et que j'ai seulement des attaques physiques, d'où le demi-tour. Donc voilà. Et je me doutais bien qu'il allait envoyer son Smogo, donc j'ai décidé de faire un hydrocanon. Voilà, donc hydrocanon, c'est un truc qu'on voit jamais sur Cloyster, donc sur Crustabri. Bon, bah moi je l'ai mis sur Coquillas, et c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ça fait, voilà, quasiment 50%, donc dans tous les cas, normalement je l'aurais mis 2 PV avec une attaque physique, donc je suis plutôt content. J'ai réussi mon deuxième hydrocanon. Malheureusement, il doit rester un PV. 2, d'ailleurs 2 PV. Bon, assez surpris qu'il ait la BO au rang. Vu déjà jus de baisse autorisé et jus de berre, on te redonne toute ta vie. Et surtout, bon, Evoluroc avec Balance, je pense que c'est pas mal aussi. Donc voilà, un petit peu étonné du set. Mais bon, ça veut dire Coquillas avec Hydrocanon, il fait pas tant de dégâts que ça, quoi. Donc là, j'envoie la menace de la team de Fred Power, le Minchino. Donc, Plumeau queue qui va, franchement. OHKO, enfin OHKO, qui va tuer Slowking. Donc voilà. Koffing, excusez-moi. J'obtiens un coup critique qui est pas décisif du tout, puisque je touche 4 fois. Et vu que ça fait 1,5 les coups critiques, un cinquième coup aurait été tranquille. Donc je précise que j'ai multi-coup, c'est pas de la luck. Voilà. Là, bon, bah je refais plus mon queue, vu que je suis Scarf. Donc coup critique, bon, c'est pas. Bon, c'est chiant, c'est vrai que c'est un petit peu. Un petit peu embêtant, il aurait été full vie à ce moment-là, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je refais des plumes au queue, ça le ramène à 50% de pile, à mon avis. Il décide de faire toxique, donc c'est un peu bon. Ça lui a pas détruit le match, hein, faut pas croire, mais bon, il aurait peut-être dû faire Giga Drain. Je pense qu'il apprend en Kikorita, peut-être faire, je sais pas moi, charge. Non, mais il aurait dû faire une attaque. Histoire de m'enlever plus de vie vu que enfin c'est sûr que j'allais pas rester enfin toute la partie avec Minchino, donc du coup il a pu me faire que 2 PV et avec une attaque plante vu que j'ai pas des défenses de fou malade. Il aurait pu me faire à mon avis au moins 40% et vous allez voir que ça va un peu jouer par la suite. Donc voilà, là j'envoie Why Not, je me fais aller easy, je le tank et tout, éruption, full vie, Cyndaquil, OHKO. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, j'essaie d'envoyer Diglett, donc pour tout simplement le Revenge Kit, l'empêcher de switch. Parce que c'est vrai qu'Eruption se faisait quasiment toute ma team. Hein. C'est vrai que quand OHKO, why not, c'est que OHKO toute ma team. Voilà, bon, c'est vrai que j'aurais pu le tuer derrière avec mes Scarfers.
Vu qu'au début je pensais qu'il était Scar, c'est pour ça que je suis pas resté avec avec Minchino. Et en fait, donc là je décide de faire Kuba histoire de faire quelques dégâts sur Froky. Et ça fait énormément de dégâts. Je suis life orb, donc ça c'est cool. Il résiste à un PV, bon comme d'hab, hein, c'est du Little Cup. Il me fait surf, bah il me détruit ma race. Et là, si... enfin là c'est ce que j'ai vu, c'est la partie de la vidéo où il disait que bon, s'il m'avait tué, Minchino serait mort. Enfin, s'il m'avait attaqué avec Germignon, Minchino serait mort. Donc ça, c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon Archeopty est Scarf. Et dans le match que j'avais fait contre Zabuza, je l'avais dépassé. Donc dans tous les cas, la victoire aurait été mienne. Donc voilà. GG à toi, Yous. Et j'espère que le match vous a plu. Au revoir.